dis ça, je plaisante, mais c'est assez sérieux. Entre nous, on a des crédits. Et comme chacun le sait, l'amour est dans le pré. Alors, mais... tout n'a pas été écrit avec Racine. Mais lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur, parce qu'il leur échappe et parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment. On l'avait déjà vu, ce regard qu'on convoite, souvent au début, nettement moins par la suite. Il s'était fait rare, c'est sûrement de notre faute, et on ne veut pas le savoir s'il fut donné un autre. Célébrons son retour, il ne fait que passer, raison de plus alors pour en profiter. L'œil est un dépotoir, on voit tellement de saleté quand on reçoit ce regard. Que les yeux soient loués parce qu'on le voit moins, parce que les coupes s'installent. Faut dire qu'on est loin d'être l'homme idéal. L'espace d'un instant, c'est ainsi qu'elles nous font. Dans l'espace en suspens, leur déclaration. Et du bout des yeux, elles murmurent que même si elles méritaient mieux, c'est nous qu'elles ont choisi malgré ce qu'on est devenu. Et l'usure, et tout ça, et les malentendus, elles ne regrettent pas leur choix, c'est même le contraire. Elles t'aiment, c'est comme ça, d'un battement de paupières. Pour une fois, tu la crois, c'est la pure vérité. Comme deux et deux font quatre, nature et spontanée, comme on baille au théâtre. Mais lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur. Parce qu'il leur échappe et parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment.